Il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu. Et il a tout prévu. Le professeur Foumoum croyait que Jésus-Christ doit être reçu comme le Seigneur, comme le Roi et comme le Sauveur. Addressing to people and brothers that way, I call him my beloved ZTF. That's how I address him. And he calls me darling. When he calls me other than darling, it is something different. He was a man who could rebuke, and he would rebuke all of us in Eastern Africa know. Whether in a convention like this, you can call me as a leader and rebuke me in front of people to put me right. We do not come with tears. We do not come with any regrets. We come with gratitude for what has happened. That God proved them wrong. Amen? Amen. And that Israel proved them wrong. Amen. Through the vision of the man of God, missionaries in over 60 nations, in about 60 nations of the world, to tell you that it's not because of money, it's not because of wealth, it is the power of the gospel of the Lord Jesus Christ. And the power is available. And I want to speak to you and to tell you. Nous devons avoir une salle qui va contenir tout le monde, parce que Dieu lui avait dit qu'il dit aussi à quel sera une ville où il n'y aura aucun non-croyant. Il avait un grand fardeau. Celui de voir ses concitoyens venir à Christ, avoir la connaissance de Christ et être sauvés. Depuis le départ dans la gloire de notre bien-aimé, le frère Zach en 2009, les saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale ont connu une période de crise et de désarroi sans précédent. Avec des larmes aux yeux et la douleur dans le cœur, le frère Théodore a conduit et mobilisé les saints à prier et à jeûner pour que Dieu intervienne au milieu de nous. Ainsi, de manière chronologique, il y a eu la deuxième croisade de prière et de jeûne pour la deuxième Pentecôte de la CMCI qui s'est tenue du 13 juin au 22 juillet 2009. Il y a eu la troisième Pentecôte de la CMCI qui a été précédée d'une croisade de prière et de jeûne entre le 14 octobre et le 22 novembre 2009. Après cette période, il a fallu déplacer le quartier général de Yaoundé pour Koumé et des milliers de saints ont fait le déplacement de la nation et des nations. Il y a eu l'inauguration ou encore la dédicace du quartier général le 31 décembre 2009 au 1er janvier 2010. Commit and give unto you, brother, to the committing ourselves and all the people you have put us in charge of to be our leader. You are leader for us. Oh Lord, we give him to you, committing ourselves to stand with him, to stand by him, to stand for him, so that your purposes, according to the vision you have given us, will be accomplished to the satisfaction of your heart. In Jesus' name, Amen. Amen. Priez avec nous pendant qu'un vice-président est en train de prier, que tout le monde prie ensemble en langue. Pray with us when the vice-president is praying in tongues. Father, we pray. Thanking you for the gift of our children as a leader of us, Lord. And we here gather, representing all Christian Mission College International people. Set them apart, consecrating it to you, Lord, as a leader of the work you've given us, as a custodian of the vision you've given us, Lord. We set them apart to stand with him, to go with him, over to submit to him, so that your purpose is given to us, and honor his leadership be accomplished, O God. Amen. Événement historique, prophétique, qui fait suite aux paroles données par le frère Zach. Let's pray that all of us in headquarters, and especially the heads of departments, and every staff here will live a life of watchfulness against the devil.
prions que chaque chef de département et chacun de nous ici au quartier général mène une vie d'alerte contre le diable. Les premiers cours de formation commencent à prendre forme au quartier général sous l'impulsion du pasteur Thierry Andossi. The making of disciples. La formation des disciples. Is teaching a junior person. C'est enseigner une personne cadette. What I learned and how to obey. Ce que lui enseigner, ce que j'ai appris et à quoi j'ai obéi. It wasn't commanding. Ce n'était pas le fait de commander les gens. It was continuing a process. C'était continuer un processus. Building others as I have been built. Bâtir d'autres comme j'avais été bâti. Teaching others to obey what I had obeyed. Enseigner aux autres à obéir à ce à quoi j'avais obéi. So we had to show the disciples what we had done. Donc nous devions montrer aux disciples ce que nous avions fait. Our authority was not the title of disciple maker. Our authority was obedience. Notre autorité n'était pas le titre de faiseur de disciples. Notre autorité, c'était l'obéissance. Du 2 novembre 2011 au 11 décembre 2011, le frère Théodore conduit tout le ministère à partir du quartier général à prier et à jeûner pour les objectifs et l'accomplissement du but de la phase 2 de notre ministère selon la maquette que l'Éternel a révélée à ZTF. Et les travaux de construction commencent à se développer au quartier général. Sous la supervision du directeur du quartier général, le frère Nicolas Akoa, c'est ainsi que des premiers bâtiments émergent de la terre comme des champignons. Au moment où le quartier général de la CMCI descend à Koumé, l'église de Bertois, que dirige le pasteur Nicolas Akoa, compte 889 membres actifs, 268 rétrogrades et 225 personnes non intégrées au 12 juillet 2009. Ces chiffres, jugés trop faibles pour porter la charge du quartier général du Nouveau Mondial, fera l'objet des premières actions d'envergure du nouveau leader, le frère Théodore Andossi. Il tiendra à cet effet, par le biais de l'École de la connaissance et du service de Dieu, une session spéciale de formation des dirigeants du 30 janvier au 17 avril 2011. C'est au cours de cette session qu'il va faire éclater l'église de Bertois en plusieurs centres pour lui donner l'envergure et les contours de la base spirituelle qui, selon une prophétie du frère Zach lui-même, devait tangiblement porter la présence de Dieu sur un rayon de 100 km à la ronde. C'est ainsi que le centre de Chinamba, Chigaza, Mokolo, Koumé, Nkolbikon, c'est ainsi que ces différents centres prennent naissance et bien d'autres plus tard. So we gather here to remember the Lord. Donc nous nous rassemblons ici pour nous souvenir du Seigneur. Actually, the Methodists. En fait, les méthodistes. They had a convention every year. Avaient une convention tous les ans, chaque année. To renew their covenant with God. Pour renouveler
leur alliance avec Dieu. L'année 2012 est marquée par la convention de la CMCI à Bruxelles, au Gabon, événement qui booste toute la communauté dans l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz. Puis la 4e croisade de prière et des jeunes du ministère du 5 novembre au 14 décembre 2012. Cette année-là, le festival de louanges et d'actions de grâce aura lieu en plein air. Being in very nature God did not consider equality with God something to be grasped. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. But made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Nous allons suivre le premier message de 2013. Les soucis qui les fassent, message of 2013. Pour une nourriture spirituelle. Oh, with good spiritual food. Il va nous transporter tout le long de 2013. Dans le carré en trois ans de 2013. The Lord has shown us. Le Seigneur nous a montré how to walk in our first love for Him. Comment marcher dans notre premier amour pour Lui. How to seek Him. Comment le chercher? How to walk with him. Comment marcher avec lui? Obéis. What is needed in CMFI is not knowledge. Ce dont on a besoin dans la CMC, ce n'est pas la connaissance. It is obedience to what has been commanded. C'est l'obéissance à ce qui a été commandé. And what will make the difference between believers in CMFI is not knowledge but obedience. Et ce qui va faire la différence entre les croyants dans la CMC, ce n'est pas la connaissance, mais l'obéissance. En 2013, c'est un frère Théodore évangéliste déchaîné et même impétueux qui prêchera l'évangile à temps et à contre-temps dans l'église du quartier général. 1888 personnes seront conduites à Christ dans 17 campagnes d'évangélisation dans les différents centres que compte l'église du quartier général. À la fin de cette année évangélique, le Seigneur portera les effectifs du quartier général à 6542 âmes. 366 personnes seront alors baptisées dans l'eau. Pour le compte de la dernière croisade de prière et de jeûne, 34 personnes vont jeûner 40 jours. 534 personnes vont participer à la croisade de prière. On est trop content de vivre dans le besoin et dans la honte. On devait invoquer, appeler, convoquer tous les croyants, les enfants, les anciens, les dirigeants. À jeûner pour tout le ministère, pour que Dieu élève notre ministère. En 2013, des soldats de la CMCI sont conviés à une autre bataille spirituelle du 1er novembre au 10 décembre 2013. Stephen Fonum, missionary to Brazil. Amen. Clarisse Ina, missionnaire à Madagascar, basée à Tananarive. Esther Tafak, missionnaire en Australie, basée à Melbourne. Eugénie Takambo, missionnaire à N'Djamena, au Tchad. Rose Dogue, missionnaire au Mali. Yedgamo Brigitte, missionnaire au Gabon, Libreville. Yavik Issi Solan, missionnaire au Niger, basée à Maradi. Nous avons urgentement besoin de 25 couples missionnaires. So, we are urgently in need of 25 missionary couples. Pour faire ce travail. To carry out this work. Gloire à Dieu.
Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de connaître beaucoup de croissance. By the grace of God, we are experiencing growth. Au début de l'année, a lot of growth. Sorry. Nous avons commencé l'année avec 1021 églises locales. We started the year with 1021 churches and localities. Local churches. Nous n'avons pas encore reçu les statistiques de toutes les provinces. We don't yet have the statistics of all the provinces. Mais nous sommes déjà à 1202 églises locales. But we are at 1202 local churches. Nous avons connu une très grande croissance. So that was a big growth. Clap, clap, clap behind it, clap behind it, clap behind it. En 2014, la sixième croisade est annoncée. Le frère Tedon invite la communauté à une autre bataille spirituelle du 3 novembre au 12 décembre 2014 pour le réveil et le retour à l'obéissance et au message de Santa Cruz dans tout le ministère. Ce qui aura davantage frappé les regards à Koumé en ce moment, c'est d'abord la visite richement bénie du pasteur américain Charles Bennett qui vient de découvrir la personne et l'œuvre de Zach Fomoun. And God began to use me that Sunday morning in a very prophetic way. I began to say to them things that they had kept from me, that many people had left the ministry after Brother Zach died. I never heard that from these guys. Never in my wildest dreams was it ever even insinuated to me. But that morning, as I began to declare, God's going to bring those people back, that God was going to breathe on those people a prophetic anointing, and the prophetic anointing would go as a wave across that whole ministry. 1,300 churches will become awakened to the prophetic when the prophetic reaches into the base and the foundation of prayer and the foundation of the Word of God, because I've never met a group of people where everyone has read the Bible through at least once every year. L'autre fait marquant de la croisade 2014, c'est incontestablement la retransmission de toutes les articulations pour la première fois par Radio Voix de la Croix par Internet. Ainsi, pas moins de 53 pays ont pu suivre la prière et les enseignements en direct à partir de Koumé. Nous avons un grand défi pour 2015, 10 centres d'effectifs égal à 1000 membres au moins, préparer la saison d'évangélisation du leader en mai dans l'église du quartier général, susciter et équiper 120 personnes dans les différents centres qui seront alors dirigeants de ce centre. Le visiteur qui revient à Koumé après quelques mois d'absence est immédiatement frappé par l'allure des transformations qui ont cours sur le plan infrastructurel. L'accès au quartier général est rendu plus accessible grâce à une route en latérite de 12 mètres de large baptisée Avenue Zacharias Tanefoun. L'autre surprise qui attend le visiteur, c'est la disponibilité désormais effective de l'eau potable en toute saison. En effet, un forage de très grande capacité et un château de nouvellement réalisé fournissent en permanence au niveau des robinets installés presque partout près de 10 000 litres d'eau potable disponible pour tout usage sans crainte de pénurie. Toujours dans le registre des réalisations techniques, il y a des travaux de finition centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde dans la maison du leader. L'école de la connaissance et du service de Dieu de Koumé organise les premières soutenances académiques pour les étudiants de la session de 3 ans en fin de formation.